Et voilà. Bonjour les merveilles. Aujourd'hui, j'ai envie de tester la petite vidéo en direct. Voilà, c'est une toute première. Espérons que je m'en sorte bien. Attention, c'est du live, il n'y a pas de montage. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer. Bon, du coup, vous allez voir l'image inversée. Pause. Ah, petite coupure, c'est bon, c'est reparti. J'ai envie de vous proposer un petit tirage avec le petit oracle des anges gardiens. Voilà. Alors, hop, on va voir un petit peu. Quel message nos anges ont à nous dire aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, j'harmonise mes énergies avec celles du jeu de cartes et je demande quel message nos anges gardiens ont à nous dire aujourd'hui, quelle est l'énergie du moment, quel message ont besoin aujourd'hui. Je vais faire en sorte que vous puissiez voir. Oh, puis j'ai envie de les étaler un petit peu. Hop. Hop. Alors, quel message pour nous aujourd'hui? Celle-ci. Hop. Alors, on arrive sur la carte. Bon, c'est inversé. Hein. Sur la carte prière. Je vais vous la lire. Ah, c'est une prière que nous pouvons faire à nos anges gardiens. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai la photo du texte en copie juste après la vidéo, parce que là, du coup, inversé, vous ne pourrez pas la lire. Mais je vais vous la lire à voix haute. Et si vous voulez, là, tout de suite, vous pouvez fermer les yeux et simplement écouter cette prière et vous concentrer dessus. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Ah, c'est intéressant d'être tombé. Je vous laisse... Je vous laisse revenir en douceur si vous avez parce que sur ce jeu de cartes il n'y a que quelques prières, souvent c'est plus un petit message et c'est chouette parce que ça permet vraiment de méditer dessus. Je vais vous le mettre en photo sous la vidéo juste après. Super, je vais retirer une autre carte. Allez, peut-être un message plus direct, je ne sais pas. J'ai fait celle-ci. Une invitation. Alors, je vais vous la lire, il y a beaucoup de textes encore cette fois-ci. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Voilà. Bah ça, c'est super parce que ce message, ça veut dire que pas la peine de faire des protocoles pas possibles pour parler à son ange gardien. Et même si on ne sait pas comment il s'appelle, c'est pas un souci. Son ange gardien, on peut le tutoyer si on veut, il nous connaît depuis suffisamment longtemps. Et puis en fait, il sait déjà ce qu'on a envie de lui demander. Hein. Donc même si on ne connaît pas son nom, il suffit de penser à lui pour qu'il soit là. De toute façon, il est toujours à quoi on pense. On lui confie nos inquiétudes, on lui confie aussi nos joies. Et voilà, et de toute façon il sera là pour nous, et si on a des questions à lui poser, on lui pose. Si on a des choix à faire, on lui demande de nous indiquer quel sera le meilleur choix à faire, et puis après c'est à nous d'être à l'écoute. C'est-à-dire que la réponse, on peut l'avoir d'un seul coup à travers une discussion avec quelqu'un, on peut avoir cette réponse à travers un rêve, on peut avoir la réponse d'un seul coup en ayant une musique dans la tête. Et puis peut-être que la musique elle est en anglais, puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de traduire parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, et je me rends compte que ce que je suis en train de chanter, c'est la réponse à ma question. Vous voyez, les réponses, elles vont être partout, ça va vraiment être à nous d'être à l'écoute. Voilà, simplement, ce message, il veut dire qu'ils sont accessibles et à chaque instant, et qu'on peut leur parler comme à des potes, et qui nous connaissent par cœur. Voilà, donc premier message,
une petite prière à leur adresser. Alors du coup, c'est rigolo parce que là, c'est le côté un peu formel, mais c'est surtout une manière de méditer, d'entrer en connexion avec eux et de se centrer sur l'essentiel, toujours dans une énergie d'amour. Et le deuxième message, c'est au fait, on est vos potes, on vous connaît bien et vous pouvez nous... Hop, c'est bon, la connexion est revenue. Donc voilà, simplement, voilà, j'avais envie de vous tirer deux petites cartes aujourd'hui. C'est aussi une manière pour moi de tester les vidéos en direct. voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Au revoir. Hop, je vais déconnecter maintenant. Je ne suis pas devant mon écran.